Ceci est un message officiel du Stan. Pour ce Stan du mois de juin, on a des hallucinations, Bob Dylan, Jack Bauer. Oh là, ça va trop vite, on se calme là. Ah, voilà. Qu'est-ce que je disais déjà ? Ah, de l'apocalypse, du voyage dans le temps et moi. Le service des titres qui arrive sur Netflix. On est là pour te donner le programme du mois de juin, mais pas trop vite, hein ? Hé, qu'est-ce que je viens de dire ? On se calme. C'est pas madame, c'est Liliane. Le 5 juin, on a Black Mirror avec 3 nouvelles histoires. Tu le sais, Black Mirror, c'est une série qui t'explique que les téléphones portables, les ordinateurs et la technologie en général, c'est pourri. Mais je suis bien d'accord. Black Mirror, le 5 juin. Voilà, tu me le mets à l'écran, comme ça les gens peuvent noter. Toi qui regardes, t'as noté? Bon. Le 13 juin, tu as Jean, la première série originale Netflix en langue arabe. Dans la série, un Jean débarque dans une école pour demander de l'aide à un groupe de lycéens. Mais est-ce que ce Jean est méchant ou gentil? Tu veux le savoir? Regarde le Jean le 13 juin. Je vais pas tout te raconter, sinon t'as plus la surprise. T'as mis la date à l'écran? Bon. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Le 28 juin, il y a Family Business avec Jonathan Cohen, Gérard Darmon, Julia Piaton, Olivier Rosenberg et moi, Liliane Revers. L'histoire. Une famille parisienne décide de transformer une boucherie cachère en coffee shop. Et c'est qui fait pousser la weed? Eh bah, ben, c'est Bibi. C'est drôle, c'est touchant, c'est français, tu t'occupes pas, tu m'écoutes, tu regardes et puis c'est tout. Family Business, la série Bleu, Blanc, Rouge par Igor Gottesman, c'est le 28 juin sur Netflix. Et aussi le 30 juin, l'intégrale de Guy. Tu n'oublies pas non plus la saison 5 de The 100, déjà disponible. J'ai cru comprendre que tu l'attendais un tout petit peu. Eh ben voilà, tu peux y aller. Oh, je l'ai oublié. Le 17 juin, il y a le jour le plus important de l'année. Je parle du bac. Tu fais plaisir à mamie Liliane, tu révises bien et tu me le défonces ce bac, d'accord? Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. On se retrouve... Comment, c'est pas fini? Voilà ce qu'on va faire. Tu me fais une liste bien propre. Tu mets bien les dates, hein? Comme ça, les gens notent. Et tu me mets les titres dans l'ordre de sortie, sinon on comprend rien. Rien à voir avec 10%? Non, parce que tu sais, je joue dans 10%, moi. Vous êtes mignon. Reprenez mon petit. Alors c'est quoi ça? C'est un manga? Un anime? Bon, vous dérangez pas pour moi. Ah, il est pas mal ce mois de juin. Bon, c'est plié pour ce mois-ci. Ceci était un message du Stan, le service des titres qui arrive sur Netflix. On se revoit le mois prochain. Moi, je rentre chez moi. Mais c'est terminé.